بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الكرام، يسعدني لقياكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم سوف نرى درس مهم ومهم جدا. سوف نتعلم اليوم كيف نفرق بين الأصوات سي وسي وسي التي لها نفس النطق وتكتب كتابات مختلفة. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons voir les sons C, C et C. في البداية سوف نقرأ هاتين الجملتين. Ce garçon est bien habillé. Sa chemise est bleue. Et son pantalon est gris. Quelle est la nature des mots en gras? Alors, le premier mot, nous avons « est ». Ce garçon est bien habillé. Idem, « est » ou « na » ou « fiel » être. C'est le verbe « être » au présent de l'indicatif. « Fizaman il modare ». Et dans le tasrif « fiel »« être »« nakoulou »« je suis »« tillé » « il est »« nous sommes »« vous êtes » »« ils sont ». Le deuxième mot, nous avons « sa chemise ».« Sa chemise », c'est un déterminant possessif. « Yadat ta'rif il milkiya » est bleu et « son pantalon yani sirwalou » son. « Wakadalika » adat ta'rif milkiya. Alors, « et » c'est le verbe « être » au présent. Ça et c'est sont des adjectifs possessifs. Sifat al-milkiya. Ces cahiers sont rangés. Ali a des livres. Ce sont ses livres. J'ai visité Rabat. C'est une belle ville. Alors, dis la phrase A en remplaçant C par ce. La phrase A, voici la phrase A. Adhiya jumla A. Et dans sa C, B, ce. Ces cahiers sont rangés. Et dans C, on a, il y a, adatun lil ishara. Et dans demain, on a, ces cahiers. Et dans le mufrad, ça nous dit, ce cahier. Had al kitab. Ce cahier sont, ça va yusbihu, et rangés. Alors, ce, ça va y avoir C, cahier, ça va nous dire le S, salam, et le jam, sont, ça va être et rangé. Bien. Alors, que remarques-tu? Alors, un demain, yon qui nous n'a pas huit, C, B, ce, ou 7, ce, ou 7, C, E, T, B, T, N, Wahid, en mettant le nom au singulier, un demain, on a comme, B, T, N, Wahid, l'ism, il a le mufrad, فإن س هي صفة للإشارة في الجمع. Alors تكتب on écrit س. إذا كان بإمكاننا تحويل س بس أو س بتاءين أو س بتاء في المفرد إذن فإن س يكتب بس فهي صفة للإشارة ذات إشارة. Dis la phrase B en remplaçant des livres par un livre. Et dans la phrase B, il y a Ali a des livres, ce sont ses livres. Et dans son Hawid, des livres, on a des un livre. Et dans son Hawid, jumla, il a le mufrad. Ali a un livre. Ce sont, ça fait de subhu, c'est son livre. C'est son livre. Bien. Ali a un livre, c'est son livre. Alors, que remarques-tu? Alors, quand on peut remplacer C par 100, demain, on a sorti par 8 C par 100, ou ça, fil mu'annad, demain, on a commis à faire le jumla ila al-mufrad,
فإن س هنا هي صفة للملكية. سي ليفر كتبه سون ليفر نقول سون ليفر نقول كتابه سا ميزان منزله ها. إذن عندما نحول س إلى المفرد إذا أمكننا تعويضه ب سون أو سا فإن س يكتب ب S E S. كمثال Ali a des livres, ce sont ses livres. Bien. Dis la phrase C en remplaçant Rabat par Casablanca et Tanger. Alors, j'ai visité Rabat. On peut dire à la Rabat. C'est une belle ville. Il y a Madinatun Jamil. Alors, ça fait Aouido Rabat de Casablanca et Tanger. Alors, ça te souviens. J'ai visité Casablanca et Tanger. Alors, c'est une belle ville. C'est un hawala ou l'aljem. C'est un koulou. Ce sont une belle ville. Ça fait, il y a un koulou. Deux belles villes. Ou deux belles villes. Donc, ça fait un jumelé. J'ai visité Casablanca et Tanger. Ce sont de belles villes. Bien. Maintenant, tu l'as dit. Qu'est-ce نلاحظ أنه عند تحويل س إلى الجمع س يصبح ce sont. Alors, on peut remplacer c par ce sont. إذا أمكننا تحويل س في الجمع إلى ce sont فإنه يكتب c apostrophe est. Maintenant, on passe à la règle complète pour construire la règle. إذا نبدأ ب c يكتب s e s. Ma tabiatu, quelle est sa nature? C'est un déterminant possessif. Il y a sifa lil milkiya, ses amis, ses cahiers, ses camarades. Alors, on peut le remplacer par quoi? Yumkinuna ta'widu c bimada, khassatan fil mufrad. Yumkinuna ta'widu bimi t, wa kadhalika fil mufrad, yumkinuna ta'widu biman et tan. Maintenant, on passe à C, C apostrophe EST. C'est quoi? C'est un présentatif. Il y a des gens qui ont dit taqdim. Donc, nous avons dit que ce sont ou bien cela est. C'est un déterminant démonstratif. Il y a, c'est valé l'ishara. هذا التعريف الإشارة أو صفة الإشارة في الجمع سي مفردها سو أو سيت أو سيت avec un seul T. Bien. Maintenant, on passe à un petit exercice pour bien comprendre. La dernière fois que je range ta chambre. Alors, C, il s'écrit C-E-S-T. Bien. Ramasse ses jouets. Et d'un hadi. اجمع هذه الألعاب سي جوي إذا تكتبوا سي أو إس بيان كي ترين بارتو مي كو فون سي زافير إيسي سي زافير تكتبوا سي أو إس هذه الأدوات وهذه اللوازم مي مامون إل سون آدم إذن هي اللي آدم ألوغ سنقولو سو سون سي زافير أدواتو هو سي زافير سي أن أدجيكتيف possessif. C'est fa lil milkiya. يعني هذه الادوات هي ملك لادم. اذا اعزائي الكرام الى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم. امل ان اكون قد وفقت في تقديمه وان كان كذلك لا تبخل علينا بالضغط على زر الاشتراك وزر لايك وبارتاجي ان اعجبكم الفيديو لكي يصل الى اكبر عدد من المشاهدين. ولا تنسوا كذلك تشجيعنا ودعمنا بترك تعليقكم واقتراحاتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.